bravo, c'est tout. Je te demande pas de te répondre en compliment, je te demande juste de lui dire un petit bravo. Fais attention qu'il sonne, pas appuyé, d'accord, mais qu'il ne soit pas obligé de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu peux pas dire bravo. Non. C'est quoi, c'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh. Ce qu'il veut dire, c'est que tu lui dis comme bonjour, il veut déjà beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais alors pas plus, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. T'en es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce. Et elle, surtout elle. Justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, et c'est fini. On n'en parle plus, tu es débarrassé, et moi j'enchaîne. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude. Tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée, on n'est pas connus, on est même au contraire. Elle a fait ça pour me faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Eh ben c'est bien pour ça que je ne demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci, ça aurait un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est un sourire, même pas, un demi-sourire. Une lèvre qui se retrouve sa peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Eh bien, dis-le deux fois. Deux fois? Oui, bravo, bravo. Deux fois, ça glisse tout seul, on ne se rend même pas compte qu'on l'a dit, ça file. On n'a même pas le temps de se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est comme « oh pardon ». Ah, quand tu dis « oh pardon » à quelqu'un, t'as pas vraiment l'impression de demander un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non. C'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le gars sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire « oh pardon », s'apaise aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a taché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il te répond « je vous en prie ». Phrase dans lui non plus ne saisit pas le sens, sinon l'idée de se courber main jointe devant toi lui aurait toute envie de la prononcer, et pourtant il l'a dite. Et vous vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont remplacé chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation, est-ce que tu comprends? On va parler comme ça sans t'arrêter. On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30 parler, j'ai cru mourir, et toi maintenant tu t'y mêles? C'est une histoire de fou, c'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-le moi tout de suite, parce que je te préviens. Avec toi, ce sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre, je ne reviens plus, tu m'entends plus jamais. Ça y est, je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur? Parce qu'elle l'a été, elle, sur scène? Parce que c'est de l'art, c'est poli? Parce que ça rime, c'est poli? Parce que c'est classique, c'est poli? C'est ça? Jean-Claude, tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée? Ta sœur m'a torturée, Louise. Tu m'entends? Torturée pendant toute la soirée. Tu es au courant? J'espère qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple, je hais le Japon. Dommage. Un peu d'extrême-orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre. En oubliant 2 minutes ta tête d'occidental butée. Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que figure-toi, que quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Bien sûr. C'est la grandeur suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme reste intacte et elle te dit bravo. Voilà la vraie victoire, la vraie. Alors maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, mais c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas roulé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice comme un lâche,
sans rien dire pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade là, avec le mari, le barbu, ça n'en finissait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes vissées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Ah, je ne sais pas comment j'ai tenu, je ne sais pas. Mais bon, bah ça va, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non. Mais tu sais pourquoi? Parce que je me suis répété sans cesse un mot, un seul mot, un mot magique. Entracte. Entracte. Mais il n'est jamais venu. Jamais. 5 actes sans une minute d'interruption, t'appelles ça la civilisation, toi? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend de rentrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et pour la première fois de sa vie, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Oui, elle vient de jouer Phèdre dans l'un des plus prestigieux théâtres d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire un petit bravo, mais qu'est-ce que t'es devenu, un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Mais tu te moques de moi ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être? Elle en a déclamé un plat morceau comme ça, sans prévenir personne. Ah, et qu'après, les enfants ont pleuré. Ton père a volé sur le mien et qu'aucun invité n'a voulu danser. Elle nous a foutu une ambiance de merde! Avec sa vocation et ses alexandrins. C'était maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Oh, bah, la surprise, oui. Ça faillait être que je quitte cette table. Oh. La table du plus beau jour de notre vie. Ah, oh, il fallait que je t'aime pour rester là 20 minutes immobile, le couteau planté dans le gigot. Pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça. Et l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je dise bravo à cette grosse vache? Quoi? Claude, elle a pris 20 kilos, vrai ou faux? C'est l'un! C'est l'angoisse d'avoir attendu un rôle pendant 15 ans! Eh ben oui, 15 ans d'angoisse! Forcément, elle a compensé par la nourriture! Mais franchement, c'est pas ça qui compte! Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Oh, pas le moins du monde. Tu connaissais la silhouette de Simone? Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre? Pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première passeur, faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 23 février a été soulignée en rouge sous tous les agendas, tous les calendriers. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, il y aurait eu Noël, Pâques et Phèdre. Et à ce propos, je te ferai remarquer que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la générale. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh, est-ce que tu peux pas juste lui dire oh? Hein? Oh! Quand elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle regardera le premier, j'en suis sûre. Là, tu la serres dans tes bras et tu lui dis oh. Non, tu lui susurres dans l'oreille, oh. T'as même pas besoin de lui dire oh, tu lui susurres dans l'oreille. Avec un soupçon de V, pour être honnête. Vaux, eh ben ce sera parfait. Vaux. Tu me demandes de dire vaux à ta sœur. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Jamais aucun effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que tu en fais que des efforts. Beaucoup, Jean-Claude. Pourquoi? Je rêve. Je te signale quand même que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir flingué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge à concours du beurre. Mais elle se lave. Tu ne vas quand même pas compter de la même manière Simone sous sa douche et Simone dans Phèdre.
Mais c'est toi que je compte, Louise, en ce moment. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à ta sœur. Je remarque que dans un théâtre, vous êtes aussi assommante l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude, je suis très loin d'être comme Simone. Très loin! Oui, parce que moi, figure-toi, si un jeune homme, les cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, mais je pars avec lui, Nico, je file avec Hippolyte, et je te plante là, toi et ton cerveau, tu sais la compte. Non. Ça ne te fait rien. Quoi? Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Même sur l'île grecque. Cerveau de Sélacanthe, c'était dans Phèdre? Oh, non. On aurait dit. C'est normal. Ça vient du grec. Achillos, creux, aquinta, épine. C'est un gros poisson, notre ancêtre. Avant le singe. Ah oui, quand même. Jean-Claude. Tu ne m'aimes plus, tu me dis la Comédie française? Je crois que ni toi, ni moi, on ne gardera un bon souvenir de cet endroit-là. Au bar, boire une bière. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai.